Bonjour, bonsoir. Comment nous y est? Qui j'ai nous levé là? Et regardez, il y a votre email là. En pile, mon dit Jonel, nous pas entendre depuis là. Qui ça vous nous faire? Pas possible en pile coup de fil là. Et qui ça vous nous faire? Est-ce que c'est pour nous faire malade nous? Et il y a un pile monde qui a prélé. Et faut me dire nous, guys, pas bien pas mentir. Hier soir, pas bien dormi. Après, nous tout comprenons monde qui pas bien dormi. Vous comprenez? OK, so on dit que bah là bien, sont mauvaise nouvelle liée pour communauté immigrant. Et non reconnaître ça. Maintenant, ça pour nous comprendre, nous devons toujours dire ça. En fait, ça va dépendre de qui philosophie l'on a vivre, ça veut dire qui philosophie de vie. Moi, je crois que l'échec fait partie de la vie. Et défaite fait partie de la vie. Il faut que nous apprenions à embrasser l'échec et puis move on. Nous ne sommes pas dans le paradis. Et dès que nous ne sommes pas dans le paradis, il y a des bons moments qui sont contents de nous célébrer lorsqu'ils nous battent la première fois avec Biden. Je dis, donc nous avons la peine. Il faut que nous embrassions, mais ça me le dit. Moi, je pense que faut nous apprendre à embrasser des faits. Parce que tout le temps qu'on va vivre, on a des moments où on va tomber, des moments où on est content, pas vrai, et des moments où on est dans la joie. Donc, il faut que nous apprenions à move on. Et qui en bas là? La vie continue, nous lever, et en plus, le monde lever matin, on a le travail, on a l'activité, on a le gourmet. Nous, les petits mounions, ils comptent sur nous, pas vrai, nous obligés de continuer la bataille, parce que l'avenir, dépend de nous-mêmes. Donc, ça veut dire que nous pas gain pour nous affaiblir. Nous avons fait 4 ans déjà en bas Trump. Nous pas de mourir. OK? So, et moi, je pense que faut que nous toujours continuer à avancer. Ça nous va parler, et je dis à là, en tant que pendant un petit temps que nous va parler avec là, nous va parler de réelle implication. Nous avons un président qui s'en attend, surtout qui s'en attend dans l'immigration. Et nous avons parler tout pour nous essayer, ouais, ça qui est passé même. Qui ça t'expliquait que Kamala Harris dit what went wrong, ça passait mal et dans le dossier ça qui fait que Kamala Harris dit n'a pas essayé de comprendre là. OK, voilà les gars, aller de quelques implications sur l'immigration directement dans la communauté nous et il y a des monde qui ont amplifié qui ont dit bagay. L'implication n'est pas obligée automatique. On dit Donald Trump, il souhaitait prendre pouvoir, le 20 janvier. Qui sont attendre? En pile coup de plume pour le passer, en pile exécutif order, ça a clé. C'est presque pareil pour tout pouvoir. Le Biden est monté à tout, il n'y a pas de coup de plume, il va passer, non? En pile exécutif order. OK? Et il y a une bonne régulation que le Biden rentre. Mais ça a pris un petit temps parce qu'il faut le publier dans le fédéral registré, ça a vraiment Biden fait le Biden rentrer. Ce sont l'autre pouvoir. Pile coup de prime, en pile executive order. Parce que Gimba qui a passé par executive order, il clé. Il a dit non là, par exemple, ça nous est le programme Biden, non. Clé executive order, là, il campé. L'homme dit le campé là, il faut nous expliquer, et pas dire statut, moun qui a statut Biden, là, il a un papier 2 ans en main. Mais l'homme dit programme là, m'a parlé en termes d'application, processus, c'est ça me l'a dit. OK? But, il y a moun qui veut nous saint Biden, il a un statut qui est le humanitarian parolé. Et qui ont date expiration là-dedans. C'est ça pour nous comprendre par rapport avec moun qui a voulu monter. Et maintenant, nous ne pouvons pas parler de executive order sous TPS. Parce que TPS, c'est pas un executive order. Je voulais rappeler mon ça. TPS, c'est un bagage qui est écrit dans le moment où pays et qui dit que le fait, c'est pas un executive order et qui baille droit président pour le déclarer, pour renouveler. C'est ça qui dit. Président capable de déclarer le renouveler. Par contre, quel côté qui écrit que mon TPS commence dans mi-temps août. Vous comprenez? Ça n'a pas grand quel côté dans la procédure là. Il y a des gens qui parlent de ça, c'est des séries de monde tête pété. Donc, livre le dit qui ça? Livre le dit que, ou qu'à attendre effectivement, janvier 2026, je crois, février ou bien 2026 ou bien janvier 2026, c'est les TPS que nous avons là pour le finir. Et ou qu'à nous trompe, qui voyait une note et qui dit que bon, il y a 6 mois, tout le monde sous TPS ça pour qu'on ça y a fait. Ranger causé aussi, il y a pas l'autre statut, whatever, ou bien si on ne prend pas l'autre statut. Ou que justement, il fait mal, on annonce comme ça, il y a bon extension de 6 mois pour qu'on qui soit fait et version janvier 2026. Mais là encore, il faut une clé sur ça. Il n'est pas obligé automatique. Il était tenté faire déjà. Donc, par une bataille. Parce que dans le cas d'Haïti, il faut une clé. Il était un petit pièce, il dit mais pour qui raison? C'est parce que le pays est instable, gang à droite, insécurité. Faut que il y ait un rapport. Là, on va parler de bon bagage. Il faut un rapport qui peut sortir au niveau de l'ambassade, du consulat, d'autres différentes organisations qui dit toute bagarre en Haïti retourne normal, gain stabilité, faute d'agon base. Et déjà, forme du ni à clou, ni tout avocat qui descend Haïti, défend Haïti, il n'y a pas de monsieur. Il me fait erreur. Parce qu'il te dit lui-même qu'il monte le bras le campel. Et c'est là où même voix ça, alors la justice ou qu'apprend lui. Comprenez bien? Même voix ça, on dit, mais ça, président te dit. Donc, automatiquement, on dit, mais ça, président te dit, il servit comme preuve. Ça veut dire que c'est un président qui a terminé TPS sans le bagan, ken base. OK? Parce que pour terminer TPS là, il faut avoir une base qui dit que condition côté balia, il n'est pas réuni encore. Et là, il y a une preuve, non, mais Trump te dit lui-même qu'il monte la retiré. Donc, sous base, ça, il a attaqué. Donc, par le on bataille, n'a pas rien qui dit que la arrivé camper TPS vraiment vrai. Par le on bataille judiciaire, dans ce sens-là. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça pour nous comprendre. Et pour tout le monde, il faut être clair. Et pas de cause, j'en moun koya que yo pral même à Saint-Domingue, yo pral prêter moun, mettez moun dans machine, m'ba konné vidéo sous frontière, vous comprenez? So maintenant attendez nous, capable que ça nous relé workplace red là dans le sens que agent haïtien qui débarqué dans des lieux de travail côté que moun a travail illégal. Au contraire ça veut dire les moun a travail illégal, son moun qui travaille sans papier qui pas gain quatre travail, ça veut dire. Gagner de moun qui dans situation ça. On va bien prouver quoi yo gen dans travail là côté que yo pas gen c'est des choses qui capable fait yo débarquer dans travail puis yo mande verification employment pour monde généralement les haïti fait ça yo pour information après bon ba li fait comme ça non chercher en bas gen des trois côté li connaît bon valer monde qui travaille sans autorisation et puis il débarquer ouais ça me dit là l'occasion au moment de la durée yo pas prendre monde ça et faut nous comprendre là yo dit déporter c'est un monde qui rempli condition pour déporter. Et qui leur rempli condition pour déporter, c'est lorsqu'on n'a pas de protection. OK? On n'a pas de protection. Et non seulement on n'a pas de protection, mais qu'on a une décision qui prend. On a dit aux gens qui n'ont pas de protection du tout, aux gens qui viennent sous visa qui ne font pas rien, qui ne font pas de visa, qui ne font rien. Même les gens qui n'ont pas de protection, on va déporter. On va prendre les gens pour faire procédure judiciaire, pour aller dans le tribunal, pour ensemble de bagages, pour se casser pour déporter. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Donc, les gens qui immédiatement déportent, c'est ça. On pas les clés. Ni Donald Trump, et il a des interviews de monde qui parle dans job ici à tout, il dit lui-même, il y a assez gang dans le pays pour commencer à attaquer en vent, bien que il dit qu'on va pas l'attaquer, mon gars, il va pas du tout, non? Mais il y a assez gang pour retirer dans le pays. Il t'a dit, en court terme, c'est gang qui va l'attaquer. Par contre, si vous dites que vous avez besoin de faire pays à safe, il y a assez gang, dans la ria pour justement déporter. Donc, livre le dit ça. Il veut dire que ça arrive pendant la fièche en gang et puis au contraire avant sur tout et que ou pas gang ken papier ou pas gang rien ça arrive que tout prend puisque yo même yo pas gang ça n'arrêter en priorité mais au départ yo tout clair l'aime dire tout clair et Trump ainsi que il m'a venir avec non monsieur Ney qui parle en Haïtia il dit que au départ effectivement c'est gang yo parle d'air au départ s'ouvler un pays stable c'est ça lié donc c'est comme ça on va attendre. Donc, attendons que le Trump qui parle pas, il te dit, il m'a parlé de ça, il dit, il va le faire. Il va le passer son executive order pour le mettre fin avec sa notarié, les birthright citizenship. Il avait dit, l'homme nous fait dans le pays, il y a auto citizen. Il dit, il va le mettre fin là-dedans, bien que c'est un bagage qui allait dans le 13e amendement, il compte. Certainement, moi, je pense que c'est un bagage qui va la justice qui est au cas gain. Mais il te dit, il va le faire, il va le prendre executive order. Parce que monsieur dit, pour tout le monde fait pour citizen, il faut que il n'y a pas un euro, que ce soit il n'y a pas un euro. Permanent résident ou bien citizen. C'est condition ça. Donc, ça t'avait dit, on a dit, on qui vient sous Biden, ou je n'avais qu'on l'autre Biden, ou font TPS, whatever, ou bien on Nicaragua, ou font Timoun, et d'après Trump, en fait, d'après loi Trump là, Timoun ça, pas citizen. Mais d'un par contre, qui ça Trump va dire, est-ce que Timoun ça, son Timoun qui va l'illégal tout? Et, ou bien, est-ce que c'est un Timoun qui pourrait aller et on permanent résident là encore monsieur a clarifié parce que ou bien sur là bon petit monde qui apatride qui fait sous terre et puis même Jean Saint-Domingue fait lui qu'il pas grand quelle nationalité on va comprendre il dit il va passer executive order sur ça et c'est ça le dit on day one bon ba dit on day one m'a passé il va passer executive order mais nous croit que son dossier que rapidement le cap dit dans la justice mais il dit qu'il va le faire il faut nous attendre un ensemble de politiques qui va le changer tout au niveau de USCIS par exemple ça nous les grand pile monde qui parle des résidences yo oui interview pas fait interview gen monde qui fait ça là ça nous les interview ouvert là ça il parle camper clé vous pas même faire interview pour tout gen résidence là prosecutorial discretion ça nous les prosecutorial discretion c'est le fait que ou te gen droit sous déportation et puis ou voyez mandé un juge là ou bien IC puisque ou gen un monde qui fait application de résidence pour déjà pour faire considération ou ta camper éliminer déportation son façon pour qu'elle gagne résidence yo et ça prosecutorial discretions politique ça que Biden gagne là qui facilite des séries de monde qui gagne order of deportation qui est capable de résidence attendre pour Donald Trump pas gagne ça relé et prosecutorial discretions attendre tout guys capable ouais gagne un slow down dans USCIS ça veut dire capable gagne des applications qui prend plus temps comprendre depuis ses bénéfices pour ça me là il prend plus de temps. Même au niveau de l'ambassade, tant que c'est l'ambassade des États-Unis en Haïti, bon, cause Haïti a déjà slow down. Pour moi, c'est une ambassade qui fermée. Depuis 2019, il fait barrer beaucoup de jeunes. Mais attendre libéral général pour tout le pays, qu'est-ce que tout est au même côté, il a choisi, en fait, notamment avec Trump, choisi slow down, tout le monde qui a cherché, que ce soit qui travaille ou une application quelconque, il a fait slow. Et slow, qui a fait slow? Il doit mettez ensemble des bagages, vérifier. On va chercher la petite bête, vérifier avant pour approuver. Et mais comme ça tout gain pays est capable accélérer tout. Au cas ouais que yo accélérer ça nous relé l'offre application asile, yo le plus rapide. Vous comprenez? Ça attend que yo capable faire ça. Maintenant moi faire prévision, on reste à confirmer Donald Trump gain doit choisi casser causer faire application asile sur internet. Parce que livin plus facile on écouter sur internet. Application online. Bien que ça t'apparaît l'aide, mais il n'est pas impossible pour Donald Trump de dire qu'il n'y a pas d'option. Comprenez bien, oui? C'est toute des séries de bagages qui ont un avantage immigrant et l'IG doit choisir grande bail ou pas facile. Donc, ça a fait pour faire, on y monter online, on a fait asile là, ou bien Donald Trump campé. Parce que nous songez, sous Donald Trump, l'on fait asile, sous papier, l'affiche la petite bête, n'importe petit côté, vous avez un N et niveau et l'application tournée. Vous comprenez? Oh, l'on fait l'online, c'est même quand on fait là, vous voyez acceptation barre. Donc, il n'y a pas fait ça. Vous comprenez? Donc, au cas où on Donald Trump qui tournait avec cause application asile sous papier, bagay ça yo. Donc, c'est qu'elle attend nous tout causer border wall. Ou déjà comme ça. Border wall, Donald Trump va le retourner d'où il besoin consommer 17 hôtels et maintenant toujours. Gon baga nou konnen la qui est important tout qui est-ce qui parle contre le chambre député on dit et nous t'a souhaité que au moins que démocrate gagne contrôle chambre député au moins ta gon question de check and balance gon moun k'ap checker dans ça la présidence a fait on va comprendre même pas bon aucune garantie dans moment là que démocrate a même gagne chambre député mais il tape mieux sous gagne démocrate gagne chambre député donc monsieur mais tape se croiser parce que vous comprenez un ensemble de bagailles et ces négociations comprendre bah il t'a plus limité vous savez là et si s'il pas gagné contrôle chambre député nous pour connait d'ailleurs chambre député ça qu'a prend pile semaine avant pour connait qui est-ce qui pourra gagner contrôle chambre député mais guys pour vous même qui immigrant c'est un bagage où t'a souhaité démocrate gagner chambre député il t'a vraiment limité ça me t'a relé on y est Trump vous comprenez un ensemble de décisions. Et c'est ça lié. Et donc, nous pensons que nous avons toujours qu'à parler de l'ensemble de l'autre bagaille. Il y a des gens qui ont pris Dionel, est-ce que c'est pour me faire valise? Mais bagaille là-bas, il y a causé tête chaude, les gars. Vous comprenez? C'est justement tout le monde n'a prêté calme, un de nous-mêmes, et nous allons suivre justement et ensemble d'exécutifs order, on a plutôt informé. Et j'en toujours dit tout le monde. Et nous t'ai déjà dit il y a un monde qui sous Biden donc ou capable bon puis faut nous faire TPS et nous t'ai ba option en tout nous t'ai deux option asile là son option pour ta pensée et mais attendre que ça important tant qu'on approcher de Trump et ça important oui, nous va le suivre au cas où Trump qui dit il va checker asile fait comme fait self so si nous venons en janvier ou va faire application asile faut suivre moins bien pour me dire est-ce que le gars t'a appliqué fait comme fait self là on comprend ça veut dire fais comme fait self l'édition politique tout le monde qui fait vos applications même côté al gantan relo dans interview. Vous comprenez? Il dit pas même temps 6 mois passé pour pas gantan faire 4 travail là, même côté avoir interview, bagarou décision gantan prend contre même et puis sortant de là yo voyou dans côte. Yo voyou dans tribunal. Rapide. Donc faut que nous suivre ça tout. Faut que nous attendre parce que politique ça changer. Mais moi penser que il y a des monde qui gantan fait déjà asile là sous beaucoup faire. Moi penser que nous dans mois de novembre là on parle de vous-même qui sous Biden, vous va comprendre? Et parce que, si tout vous-même qui sous Biden, qui pas un TPS. Comprenez bien ça, Abdou là. Ou même qui sous Biden là, si pièce qui va le finir, Biden va le finir en janvier, février. Non, plus fort en janvier, février, bac au faire yo gain petit pièce. C'est surtout monde qui rentre après 3 juin là. Vous comprenez? So c'est un moyen qui ka kembo et lorsque justement ou gagne, c'est le gain, vous comprenez? Et donc c'est à peu près ça. Songez que moi dit tout le monde qui gagne application résident, ce qui vient sous Biden, qui manque 2 à 3 ans provisoire disponible en toute logique, quel que soit pouvoir ta gagnant ou ka mandé parce qu'on gagne argument pour demander une expansion sur I-94 là. On gagne un argument simple, moi gagne une application sur mon ba numéro application et visa ka disponible dans 2 ou 3 ans. Donc moi mandé une extension I-94 là pour en 2 ans, 3 ans, son façon qu'on pas besoin tourner dans le pays pour me capable adjust status. Ou ça me dit so ça a une logique et pour être capable joindre. Et maintenant tout avec un Trump, il est capable de retourner avec ça nous les public charge. Public charge dans le sens que et côté que des séries de monde qui gagne food stamp whatever ou gagne doit utiliser ça comme base pour pas bail résidence. OK? Donc un pilote bagaille qui a tombé. Attendre que avec un Donald Trump tout et c'est ça lié presque chaque semaine on attend des on bagaille tête chargée. Bon c'est ça lié son acteur en mise en scène c'est un des choses. OK? Et maintenant et gagne l'autre monde qui gagne d'autres attentes, ça me pas capable de garantir, gagne monde qui pensait que avec Donald Trump pays d'Haïti parce que moi en pile et Haïti qui fait argument ça pays d'Haïti a délivré ça dans tête yo I don't know on ça alors pas contre ça dans tête yo et maintenant comprendre bien nous avons un problème pour mon cap faire yo fait toute calque analyse justement bon ton ba qui passait Donald Trump président net ça vous comprendre police qui d'Haïti président pas tellement intervenu là-dedans bon mon yo dit responsable région Caraïbes il pas so, regardez pour eux, deux Trump à Biden, la politique sur Haïti pas presque nécessairement changé, non? Vous ne pas comprendre. Il y a des petits dossiers, vous pensez qu'il y a des petits dossiers, et vous parlez de Trump qui prend l'intervenu direct vers elle est. Vous ne pas comprendre. Vous comprenez? Il y a des petits radotes, et vous dites Trump prend, depuis qu'il est Haïti, c'est important comme ça. Ce sont des dossiers importants comme ça pour que Trump prend l'intervenu sous dossier au barré ça. Vous comprenez? So, maintenant, il y a l'autre monde tout sous base ça, vous dit, avec Donald Trump, vous parlez enfin Guy Philippe le président. Bon, et maintenant, en nous clair, c'est une possibilité dans le sens que, qui me dit ça là, en matière d'alliance, bagaille, capable de gagner des changements au niveau de, qui me dit ça là, au niveau de l'exécutif, suivant des intérêts, mais pas de garantie pour dire que, avec Donald Trump, comme quoi Donald Trump c'est 11 ans, Guy Philippe, ouais, sous qui base? En plus, le monde a dit sa révolution et finalement, il a ici Guy Philippe à président avec Donald Trump, pays d'Haïti. Comme Dadou, nous toujours pensons que pays d'Haïti sont pays qui, même genre avec Ukraine, même genre avec pays qui gagne toute l'or, toute mine diamant, whatever. Laissez-moi dire, malheureusement, pour nous, nous pas aussi important que gens qui s'en pensent. Et l'histoire montre ça. Et il y a un responsable de la Caraïbe qui est responsable de la Caraïbe. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers. C'est pas Trump qui va intervenir. Trump n'est pas dans tout petit dossier qui va avoir aucun intérêt. Si vous avez un dossier qui va intervenir pour vous, oui, il est capable de camper des pièces pour vous. On laisse à la plaque. Il a calé la occupé. Clean la calé, il calé de faire ça. Mais affaire clean la calé avec elle. Lui-même, comme ça, ça c'est un argument juste pas qu'à comprendre. Parce que dans des séries de gros influenceurs qui disent si le besoin pays ne changer, c'est Trump qui va le changer. Just, I don't. Bon, en tout cas, vaut mieux nous passer sous ça et lui fait net. Mais des séries d'arguments, on a avancé. Nous allons suivre. Et il y a des gens qui croient tout avec Trump pour gagner un miracle économique. Vous comprenez? Pour gagner un miracle économique et que tout d'un coup, tout le bagage pour venir bon marché, il y a les pénaux pour le débarquer. C'est une des choses. En tout cas, et on va voir. Mais les gens qui étudient comprennent que l'économie en son cycle, ils montent, ils descendent. Et c'est le cycle. Et ça qu'on arrive par coïncidence étant président, et c'est l'économie à monter, whatever. Vous comprenez? Bon. En tout cas, c'est ça. Bon, je vais me là pour m'expliquer ce qui s'est passé. Je vais parler de qui s'est passé même. Et qui vient qu'à expliquer raison des faits. Kamala Harris, je pense que ça, on a quitté ça pour l'autre segment. Nous s'expliquons pour qui ça, nous pensons qu'il y a un pile de données qui montrent mes véritables raisons qui fait Kamala Harris tomber. Et quelque part, erreur qui fait. Comment qui a expliqué que, effectivement, raison des faits, véritable raison des faits, Kamala Harris là. Donc, c'était un plaisir, guys. Moi, c'est que je vais quitter ça pour l'autre section. C'était un plaisir.